nous sommes à Köpenick, à une dizaine de kilomètres de Berlin. Derrière moi, c'est la mairie. Et c'est ici que Jorun a donné rendez-vous aux délégations du programme à déchoisir. Vous le savez, le Luxembourg, la Slovaquie, l'Espagne, la France et bien sûr l'Allemagne. L'Allemagne, nous allons essayer de comprendre quelles sont leurs pratiques en matière d'accompagnement des personnes vulnérables. Köpenick est une ville entourée de canaux, comme celui-ci. Et justement, c'est là que Jorun nous a donné rendez-vous pour visiter un atelier de construction de bateaux. On y travaille le bois et les personnes vulnérables y font aussi de la pâtisserie, des gâteaux, du chocolat. Ja, wir sind hier in einem Standort der OSE. Wir haben ja viele andere Standorte. Und der Standort hier ist maritim ausgerichtet. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Hafen, wir haben Boote, wir haben eine Bootsbauwerkstatt. Und wir haben hier eben das Café-Restaurant, also Gastronomie ist der andere Schwerpunkt. So, the Union of Social Services here is one, they have more special needs companies, but this special needs company here, they have 100 clients who work here, who are bipolar or schizophrenic, and a staff of 30 people, who are social worker or supporting stuff, yeah, and they are focused here on restoring boats and working with wood and restaurant. Good. Let's have a look at the. So here in this area, they restore boats, wooden boats, was war das? Motorboote auch? Motorboote, ja. Aus Bass, genau. Ja. Und hier Holzboote und Holzbauteile vom Segelboot, das sind Masten. Mhm. Ja. Okay. Also die Segelanlage des Bootes. They restore motorboats, also wooden boats, sailing ships and 40 adults with mental disabilities work here. 20 here and 20 in the first craft. And they have a staff of 12 people, 8 people, like, was war Ihr Name, Mr.? Herr Karnop? Yeah, Herr Karnop, sorry, I have dementia. Yeah, 8 people like Mr. Karnop and 4 trainees, yeah, to assist the people. But they are not social workers, they are craftsmen. Yeah. And craftsmen, this is very important, because people with mental disabilities accept craftsmen more than social worker sometimes, because he's a boss. Adults with mental disabilities, they are not professional shipbuilders. Sometimes they don't have a job or no job qualification, but sometimes they have a qualification as electrician or working with wood. And Carpenter, what? Fischler, Carpenter. Yeah. So yeah, working with wood. And but with the sum of these people, with the different qualities, they are able to restore a boat or to build a new boat. So they work as a team. And at the end of and after a special time, they have qualifications. Yeah, to also to change to the free market, to the labor market, to restore boats. Okay. Gut, vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Wir sehen uns weiter. Okay.
Wir arbeiten hier oben mit relativ auffällig, also die Kollegen brauchen sehr viel Unterstützung, die hier oben bei mir arbeiten. Nebenan haben Sie vielleicht gesehen im Raum. Und da sind keine Maschinen, es ist relativ leise, das brauchen die Kollegen auch, die brauchen Ruhe, die brauchen immer eine Pause zwischendurch, ein bisschen mehr Pausen. Wir bauen viel für unseren Laden, für den Weihnachtsmarkt und ja, verschiedene Sachen, auch Auftragsarbeiten ganz normal halt. Fast alles nur mit Vollholz. Genau. Und falls sich jemand Interesse hat an diesen hübschen Sachen, können Sie sich aber überlegen und durch den Kopf gehen lassen, denn können Sie nachher zu mir kommen und was erwerben, wenn Sie gerne möchten. Okay. Behrendt, Herr Behrendt. So, this is Mr. Behrendt. He's a craftsman for wood artikel. So, the adults working with him, they are very disabled, they have many disabilities. And they create these products for Christmas market, yes, but also for you. As my children were younger, I bought my stuff here. Mm. Yeah, because it's natural, ecological, not commercial, so you do a lot of good things. For example, and you can buy here a souvenir if you would like to. Mm. For example, if you would like to support poor disabled Germans, one duck is only 13 euro. And one car here is only 9 euro. It's very nice for your hand luggage, you know. Yes, the plan is, then we go to the confiserie, and if we talk about the project here, you can think about if you would like to have something for your children or grandchildren. You can come to Mr. Behrendt and you can buy it or not. It depends to you. Here in the confiserie, adults with disabilities, they create pralines, and they also develop it. So it's possible, for example, if the customer would like to have a special logo on the pralines to develop it. They also have the patisserie, but in the patisserie they create more cakes. Donc, oui, il y a deux domaines ici, une fois boulangerie, une fois pâtisserie. On est ici dans la pâtisserie, donc ils font des pralinés. Toutes les pralinés ont été créées, non seulement produits, mais aussi créées par les gens qui travaillent ici. Et les pralinés sont vendus et ils offrent aussi la possibilité, par exemple, à des firmes à mettre des textes personnalisés ou des logos dessus pour vendre comme ça. Können Sie hier gerne auch noch mal probieren? Hier. You have the possibility now to try chocolate and pralines. You can also, this is for free, you can buy this. Mm-hmm. This is normally 35 euros, but special price for you, 250. This is 20 euro, special price for you, 150. And here in the confiserie and patisserie, they are working between 15 and 20 people with disabilities and two craftsmen. Today there are only 4 people working here because the others are working outside, delivering the products to the bakeries or to private persons. And or they have an educational day because it's not only working here, they also have education. Case a demandé qu'est-ce qu'ils font si quelqu'un ne veut pas venir ou a des difficultés pour venir ou pour se tenir à l'horaire. Bon, monsieur a dit qu'ils essayent d'analyser la situation d'abord, de voir qu'est-ce qui est derrière, de discuter là-dessus. Et bon, monsieur a dit aussi que en fait, ok, si la problématique reste, elle est remise au service social qui essaye de voir quelles peuvent être les raisons et après voilà on va en fonction du les gens ont un contrat de travail et c'est réglé
dans le contrat, dans le contexte du contrat du travail, mais avec beaucoup plus de réserve et voilà, des distances, de souplesse, mais voilà. Votre intérêt pour le système allemand. So I will talk now about the German law of Betreuung, as I said, and the safeguards of Article 12 of the UNCRPD. So we call it from guardianship to supported decision making. Hier, on a déjà parlé un peu du. Jochen avait déjà présenté un peu le système allemand. Mais je crois que ce qui est très important de soulever, c'est que le mot de l'incapacité juridique a été aboli dans la loi allemande, c'est-à-dire la personne ne peut plus être incapable et elle peut seulement, s'il y a des incapacités, elle reçoit quelqu'un à son côté qui l'assiste, mais elle garde toujours ses droits et, le Betreuer, il ne peut pas, il peut rien faire contre les souhaits de la personne. Pas tout, oui, quelquefois il peut aussi, mais sur le point juridique, c'est le free, against the free will, huh? He can't do. Mm-hmm. But only if there is not a free will, then mm-hmm. he can do something mm-hmm. against. Huh? Mm-hmm. And to make it short, you can reduce the German law to three principles. First is necessity. There should be no Betreuung if the person can manage independently or with the support of family members or friends or social services. Second is self-determination and autonomy. The Betreuer has to give the elder person or the handicapped adult or the adult with mental disease the possibility to lead a self-determined life as far as possible and to make as many as possible of his or her own decisions. And third is what we call preservation of rights. As a rule, every adult has, even if he is under Betreuung, fundamental rights. For example, the right to vote, the right to marry, and the right to make a will. And so there we don't look at their personal, personal status, age, or disability. Mm-hmm. Maria, elle a soulevé le cadre d'antan quand les juges étaient loin, si j'ai bien compris, du temps des nazis. Il y avait des juges qui devaient prendre des décisions et quand ils se sont rendus compte que des personnes handicapées avaient été tuées, il a arrêté son mandat et à partir de là ou après. Avec cet œil sur l'histoire, on a décidé que le juge doit se rendre chez les gens pour voir ce qui se passe avec elle. Et donc cet élément a été maintenu et mis dans les procédures. Merci.
Berlin, c'est terminé. Prochaine étape, Toulouse. Mais pour l'heure, rendez-vous sur le blog, sur le salon d'entretien. Vous allez retrouver de nouvelles interviews, de nouvelles thématiques qui vont vous aider à approfondir votre réflexion et vous permettre de continuer à faire évoluer vos pratiques et les mentalités et les regards sur l'accompagnement des personnes vulnérables. Tchuss !